Bon matin, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Là, je suis avec mes enfants encore aujourd'hui. Parce que pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram... Non, là, on peut pas aller là, mon bébé. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vendredi, j'ai dû garder les gars avec moi. Wouhou! Les gars vont s'impatienter. C'est ça, j'ai dû garder les gars avec moi vendredi parce que... Mon bébé. Hein? Non, elle est pas dans l'auto. J'ai réussi à le contenter un peu. Et c'est ce vendredi, j'ai dû garder les gars parce que, bon, ils ont commencé à tousser puis à couler du nez puis j'ai pas voulu prendre de chance. Fait que je les ai pas envoyés à la garderie. Fait que là, ils ont pas été à la garderie vendredi, samedi, dimanche, lundi. Puis là, aujourd'hui, mardi. Fait que ça fait 5 jours. Et demain, ma garderie est fermée à cause de la grève. Fait que ils vont avoir passé 6 jours avec moi. Dans le fond, fait que j'espère que rendu là jeudi, ils vont être corrects là. Jackson, j'ai entendu tousser une fois puis il coule plus du nez. Fait que lui, j'ai écrit à mon éducatrice ce matin, tu sais, pour leur dire qu'elle allait pas y aller. Puis techniquement, Jackson, j'aurais pu l'envoyer, mais c'est ça. Fait que voilà. Fait que je les ai avec moi encore aujourd'hui et demain. Puis, c'est pas mal ça. Fait que notre fin de semaine a été vraiment tranquille. Tu sais, vu que les gars étaient malades, on n'a pas rien fait de spécial, là. Puis, wouhou! OK! C'est en train de tomber. Moi, tout, j'ai comme, tu sais, j'ai commencé à avoir mal à la gorge, là, mais c'est normal. Genre, Zach tous. Mes deux gars sont malades avec moi depuis 5 jours. Fait que, genre, c'était logique que je commence à tousser, mais c'est la seule affaire que j'ai. Fait que là, justement, ben là, mon éducatrice m'a demandé comme d'appeler à la santé publique, savoir s'il faudrait que je fasse passer le test de COVID aux gars, mais genre, ils ont juste un hostie de rhume, là. Ça me fait chier qu'on devienne toute malade mentale pour ça, là. Hostie que ça me fait chier. Genre, tu sais, genre, comment mes enfants l'auraient pogné avant moi? Moi, c'est ça que j'essaie de comprendre, tu sais, en tout cas. Je vais appeler pareil, là, pis... Les autres vont souvent me répondre la même affaire, genre, ah ben, ça, c'est le temps des remous, de quoi, et où ils vont vouloir que j'aille les faire tester. Fait que, mais tu sais, c'est que si eux sont testés, ben moi, il faut que je me fasse tester, tu sais, là, ça me fait chier. Surtout que moi, j'ai, ben tu sais, dans moi, ils te demanderont pas de tester si t'as pas de symptômes. Là, moi, j'ai mal à la gorge, mais comme c'est normal, mes enfants sont malades, tu sais. Fait qu'en tout cas, je vais appeler là tantôt. Pis voilà. Tu pourrais aimer palpitant, mon histoire, je suis désolée. Oh Laurent, arrête de peser sur les boutons! Par contre, Laurent est très marabout aujourd'hui. Il commence à être fatigué un peu, je pense. Oh non, t'as mis de la musique! Laurent! Oui, elle est tombée par terre. Oh. Là, lui, il veut juste grimper là, je sais pas. Oh! Papa, il est parti travailler, Laura. Reste ici. Non, non, la tablette, la manette est tombée par terre. Mais oui, au! Oh, sac. Puis, genre, moi, je me suis mordue. Merci. Moi, je me suis mordue dans le joue. Et c'est quand? Je sais plus quand, genre samedi, là, pis là, j'ai mal, là. Genre, je me suis vraiment solidement pognée, fait que j'ai vraiment mal là, dans le dedans de la joue. J'ai de la misère à manger, pis tout, ça fait vraiment mal. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Hey, doudou avec maman. Non, pas doudou avec maman? Ok, voilà, désolée pour cette intro terminale. Fait que là-dessus, je vais vous reparler plus tard. Ça va être une journée ménage aujourd'hui, si je suis capable d'en faire. Puis c'est ça. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne journée pour son enfant. Je voulais vous montrer ce que j'ai fabriqué à Zoé. Désolée pour les bruits, là. Il y a la télé, il y a de la construction dehors. Fait que j'ai fabriqué ça. Tout vient du Dollarama, à part les chaînes, je les avais déjà. Les anneaux en jute, mais comme en ça. Ils sont déjà vendus comme ça, fait que je viens cacher la corde de jute.
après, puis comme une petite conne comme ça, j'ai acheté, ça c'est au Dollarama, comme je disais, dans la section des jouets pour animaux. J'ai pris des balles de tennis, j'ai fait des trous dedans, puis tout. Là, fait que j'ai tout accroché ça comme ça, fait que là, elle va se mettre dans les ronds, puis elle se promène. Fait que je suis bien contente, ça m'a vraiment comme... pas coûté cher. Fait que c'est ça, ça m'a coûté comme une vingtaine de piastres, mais comme il y a des morceaux, j'ai acheté plus là. Puis comme mettons, il y avait des morceaux, j'ai acheté un Jenga. Genre, c'est des morceaux de bois bien réguliers. Puis je les éteins, fait que là, en date, j'ai rien fait avec, mais ils sont là, fait que je les éteins avec du colorant alimentaire là, régulier. Et puis mon but, ce serait comme de faire comme des trous dedans, puis des accrocher, mais en tout cas, j'étais sûre que j'irais avec une perceuse, mais il n'y en a pas. J'étais genre, what the fuck? Mais c'est sûr, il y a une visseuse, genre, mais pas une perceuse. Fait que bref, il me reste ça à faire, puis j'avais-tu acheté autre chose? Ah, j'avais acheté un genre de jouet pour chien, tout mon truc, et finalement, je sais pas quoi faire avec. Puis là, justement, il y a des balles là, parce que les gars jouent avec, j'en ai pris 2 sur 4. Puis je vais vous montrer aussi, hier, j'ai fait des pains, des genres de petits pains keto. Comme ça s'appelle des cloud bread. C'est 3 ingrédients. Des œufs, du sel, puis du fromage à la crème. Fait que c'est keto. Puis c'est full fluffy, c'est tellement bon. Hier, j'ai goûté avec du Philadelphia, là, c'est vraiment bon. Fait que je pense que ce matin, avec mes œufs et mon bacon, je vais me prendre ça. Bon, Zoé est fruit. Fait que voilà, là je viens d'aller coucher Jackson. Laurent, il est 9h10, je suis allée partir aussi m'abrasser de couche. Parce que là, vu que les gars sont au Tylenol, ben, comme Laurent, il porte pas de couche lavable, sinon ça les tâche. J'avais demandé à Jérémy d'acheter celui. Ben, j'avais pas demandé, j'avais oublié de dire à Jérémy de pas acheter celui comme le Tylenol aux cerises qui est rouge, là, tu sais. J'étais comme, achète le transparent, il y en a comme du sang colorant, genre. Il y en a comme sans colorant là au raisin, je pense. Je sais pas, au raisin vert, là, je sais pas trop. En tout cas. Puis il me semble que ça tâche pas les couches, mais le rouge, ça les tâche. Fait que il est pas aux couches lavables cette semaine. Mais bon, c'est pas bien grave. Fait que justement là. Oh mon dieu, excusez, j'aime pas mon affaire de mouche à fruits. Oh my god, ok. C'est ça, fait que. Bref. Il est beaucoup lavable, fait que je fallait que je lave ceux de la semaine passée. Là, d'habitude, je les aurais lavés comme vendredi ou samedi, mais là, vu qu'il va pas garder aujourd'hui ni demain encore, là, au moins les couches vont être propres pour jeudi, si il va jeudi. Fait que c'est ça. Mon salon est un petit bordel, tout est en bordel, ça n'a aucun sens. Fait que là, je suis en train d'écouter le blog dans mon maman, puis je vais écouter ça en faisant mon ménage. Il est 10h30, Laurent s'est réveillé de sa sieste, je pense, perso, juste qu'il n'a pas dormi. Parce que genre, il me semble qu'il était comme 9h30, 9h40, je l'entendais encore genre bagner dans sa chambre. Fait que soit qu'il a vraiment pas beaucoup dormi, soit qu'il a pas dormi dans tout. Et fait que là, je viens juste remettre ma brassée de couche. Ma deuxième brassée, dans le fond. Et là, j'ai acheté des inserts à une fille qui habite juste dans le quartier en arrière de chez nous. Mais là, c'est ça, comme j'y ai dit, ça fait comme quelques jours que tu sais, je suis supposée y aller, dans le fond. Puis, on s'adonnait jamais. Là, elle est là aujourd'hui chez elle. Mais là, c'est ça, tu sais, j'ai dit vu que ça tousse chez nous, tu sais, je vais faire un virement, puis tu me laisseras ça dehors, là, tu sais. Parce que, ouais, je suis pas à l'aise, là, à. Je suis pas à l'aise, là, tu sais, à ce qu'elle. À ce qu'elle. Ce que je rentre. Pas que je rentre chez elle, mais tu sais, qu'on ait comme un contact, là. C'est comme je vous dis, si. J'avais, tu sais, si les enfants étaient malades, ça m'aurait pas dérangé, mais là, je suis pas full à l'aise. Fait que, elle vient de m'envoyer une photo, c'est dans le fond devant chez eux, elle a comme un bac à litière qui est là depuis tellement longtemps, puis je sais pas à quoi qui sert vraiment, mais ça fait comme 2 fois que je vais y acheter de quoi, puis comme, elle le met dedans. Elle est trop drôle. Fait que, c'est ça. Fait que, je vais y faire le virement Interac. Elle m'a demandé ce que j'avais besoin. Fait que, c'est ça. Que je suis en train d'écouter un podcast pendant que Laurent déjeune. Puis après, on va s'habiller, on va aller faire ça, parce que je couche les gars vers midi et demi. Puis je vais peut-être en profiter, puis aller faire un tour chez ma belle-mère si elle est là. Presque 1 heure. 12h50. Je reviens chez ma belle-mère, je suis allée faire un petit tour là-bas. Puis là, je viens d'être témoin d'une autre scène, là. Ah, oh, je dis que j'étais curée de mes voisins, la gang. J'en ai même pas eu. Ah, c'est une autre gang de Germaine, là. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, j'habite dans des maisons en rangée. Puis il y a comme un. Responsable de la rue, ok, qui est mon voisin d'à côté, ok, mais sont cinglés, ok, cinglés de chez
scindés. Là. Genre, on est dans une rue privée, OK? Mais là, genre, il n'y a pas personne qui aura de passé d'autre. Là, quand on a le concept, il fallait donner nos numéros de plaque là, pour être sûr que ce soit nos chars qui soient dans le parking, pis tout, là. Ça, c'est eux autres là, qui ont décidé ce style de règlement-là, que eux ne respectent pas du tout, mais écoutez, ça, c'est une autre histoire. Puis là, il y a un gars dans une van rouge, OK, que, perso, j'ai déjà vu cette van-là souvent, OK? Puis là, le gars, il part de... Eux autres, ils s'en est comme prendre une marche, là. Puis, il part, genre. Puis là, le gars avec la van, il rentre vite dans la rue, là. Ça, je peux pas l'enlever. La limite dans la rue, c'est 20, OK? La limite de vitesse, c'est 20. Puis, c'est ça, fait que là, le gars, il rentre, puis il roule vite, là, pour vrai, quand même. Fait que là, il va dans le fond, il fait comme le rond-point, puis il repart, genre, pour retourner comme... Parce que lui, dans le fond, il allait à l'autre bloc, au bout de la rue, tu sais. Fait que là, il passe, puis là, le gars, il est là, genre, mon voisin, il est là. Aïe, 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 demain. Là, le gars, il s'en calisse, il contourne, il rentre dans le cours qu'il a de besoin, il commence à faire ses affaires. Là, je le vois, là, commence à... là mon voisin, il commence à aller à côté de son char, là, puis tout. Là, la bonne femme, elle note son numéro de plaque. Puis là, quand je suis partie, il était au téléphone. Genre, parce que moi, j'étais dans ma cour, là, je revenais chez ma belle-mère, fait que j'étais fucking. Genre, je restais dans mon char parce que je savais que ça allait être crissement malaisant, genre. Fait que là, j'ai entendu qu'il soit vrai, comme plus loin. Puis là, ça, je le vois au téléphone. Fait qu'il a appelé la police. Genre, c'est un crisse de fou. C'est vrai, ce gars-là, il faut vraiment qu'il recommence à travailler ou qu'il fasse de quoi d'autre de sa peau que de rester ici, là, parce que hostie, il est cinglé. Hop, hop, tiens-tu? Fait que, en tout cas, c'est trop malaisant. Ça, j'ai hâte de m'en aller du site, là. Juste pour arrêter de me faire. Nous autres, ils nous gèrent plus depuis l'été passé, là. Soit dit en passant, Jay leur a pété une petite coche, là. J'ai rien mis, il y a de la patience envers les autres, quand même. Ah! Envers le monde qui connaît pas vraiment, il y a quand même pas mal de patience. Il va être genre, OK, OK. Il va se crisser de ce que tu dis, mais genre, il va rester poli. Puis cette fois-là, là, ça a été la fois de trop, là. Puis il a sauté une coche, puis à ce temps, il nous parle plus. Ce qui est vraiment cool. Parce qu'avant, mettons, à la seconde où je sortais dehors, il me parlait. Genre, mettons, il me voyait dehors, là. Ben, pas lui, là. Lui, il s'est tout le temps crawlé, c'est tout le monde. Mais elle, genre, aussitôt qu'on sortait dehors, là, mettons, je jouais dans le rond-point en avant avec les enfants. Là, elle venait s'asseoir dehors. Puis elle commençait à venir me parler. J'étais comme, yo, t'as un Christy beau balcon tout aménagé en arrière, là. Genre, va-t'en chez vous. Tu sais, moi, j'ai pas envie de parler à elle, là. Genre, à plus que le double de mon âge, là. Tu sais, en tout cas. Genre, j'ai rien à dire, là, tu sais. Mais là, à cette heure, elle sort plus quand je suis dehors. Elle vient plus me voir. Fait que je suis bien contente. Puis elle me fait juste des fois des commentaires. Puis là, elle va me faire un petit commentaire. Genre, puis si je vais faire comme, OK, bye. Genre, puis je vais crisser mon camp. Mais c'est ça. Fait que là, ils nous font plus chier. Puis on leur a dit que s'il y avait quelqu'un comme nous autres qui appelle notre propriétaire. Mais bizarrement, mon propriétaire se calise aux autres aussi. Fait que même si c'est pour de quoi, le propriétaire va être genre, bon, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il va nous texter. Puis là, on va y expliquer. Puis il va être genre, OK, c'est bon, ils sont juste débiles. Genre, ça va finir demain. Fait que, même, c'est pas comme si c'était arrivé mille fois, là, mais tu sais, au début, quand on est arrivé là, on dirait qu'il. Quand on est arrivé ici, on dirait qu'il nous testait, genre. C'est comme on dirait qu'il testait nos limites, genre, voir jusqu'à où on allait se faire marcher sa tête, genre. Puis ils se sont rendus compte bien vite qu'on n'allait pas se faire marcher sa tête, certains. Fait que, c'est ça. Fait qu'à ce temps, ils ne font plus de petits commentaires, fait qu'on est bien contents. Mais là, genre, ce gars-là, je pense que c'est le propriétaire, genre, de l'autre bloc, là. Fait que rendu là de ta gueule, puis laisse les vivre. Il y a autant. Il y a autant, sinon plus, les droits que toi, genre. Lui, il y a 4 blocs sur. Tu sais, il y en a 4 sur 10, toi, t'en as un, là. Fait que prends ta boîte, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, bref. Ça faisait longtemps que on n'avait pas entendu mes problèmes de voisins, mais je trouve ça drôle parce qu'à toutes les fois que j'en parle, vous êtes genre, oh, moi et tout, ma voisine, c'est une folle. Puis là, vous me racontez vos histoires, puis je trouve ça vraiment hilarant. Fait que c'est ça. Zoé, elle parle pas jusqu'à temps que j'ai écouté ça. Je vais faire mon petit ménage, là. Mon salon, il est pas mal ramassé. Je suis en train de passer mon balai. Puis après ça, je vais aller ben mes couches dans ses sèches. Ils sont finis de laver. Puis je vais continuer un petit peu mon ménage. Puis après ça, on va écouter des vidéos. Bon, mais les gars ont dormi genre 1h30. C'est fini tout à cette heure, les siestes de genre 3h. Ça existe plus. Ils sont vraiment. What the fuck? Ah, la ville est là. Pour ma voisine au bout. Ah ben. Elle me demandait, justement, j'ai vu le camion, elle me demandait qu'est-ce qu'il faisait. fait que c'est ça. Les siestes, c'est fini de 3 heures. À la garderie, là, ils font vraiment plus beaucoup des grossesses. Fait que, ben, ils ont pas mis ce bic-là. Puis, oh, allô? Zoé est venue à ces mis-là. Ah, Zoé? Tu es sûr ou pas? Papa? Non, tu veux pas? Elle essaie d'aller dans les marches, là. Enfin, elle s'est ramassée dans les marches, elle était rendue quasiment en haut. Elle est rendue très habituée à la maison, mettons. Mettons qu'elle vit sa best life, elle-là, là. Fait que,
Voyons, c'est ça. Voyons, ça, je m'en allais avec ça. Ah, oh, ben, là, vous avez pas vu ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu voudrais quelque chose à manger? Croûte. OK, prends-en une. C'est ça, Laurent commence à marcher tranquillement, pas vite. Ben, il fait plusieurs fois par jour, genre, je pourrais quasiment dire qu'il marche, mais comme, il marche pas comme à 100% du temps, mettons, tu sais, puis il tombe encore souvent, puis tout, mais la majorité du temps, il marche. Fait que, sans aide, il fait comme, là. Là, il y a Laurent, OK! Laurent, en ce moment, il y a... Je vais ramasser le caca d'oiseau avant qu'il passe dessus. OK. Laurent va avoir 14 mois le 27. Fait que, il y a comme 13 mois. Il y a eu 13 mois, genre le 27 avril, dans le fond. Fait que ça s'en vient pas mal. Hey, Jackson, fais pas exprès, par exemple. Bon, mon pigeon, toi, chose. Hop, hop. Hop, hop. Mon pigeon s'est envolé. T'es-tu mon petit pigeon? T'es-tu mon petit pigeon? T'es-tu un petit pigeon? Non. C'est où tu veux t'en aller? Chez vous? Tu veux aller chez vous? C'est où tu veux aller? Tiens-tu? Je commence à la faire aller plus sur mon... sur mes épaules. Ben oui, mais lâche-moi. OK. Je commence à la faire plus aller sur mes épaules, mais elle a tendance à... Ben, elle a tendance à mordre encore, un peu. Elle mord pas fort, mais on mord pareil. Puis ben franchement, j'ai pas le goût de me faire mordre les oreilles. Mais là, souvent, ce qu'elle fait, c'est qu'elle mord mes cheveux. Hein? Manger. Tu voudrais quoi? Telle. Tu voudrais du lait? Oui. Regardez, comme là, elle essaie de me mordre les oreilles, vous avez vu? OK. Hop, hop. Hop, hop, Zoé. Hop, hop. Hop, hop, Zoé. Merci. Il est temps. C'est ça, j'ai fait pogner. Bon, OK. Il est temps. Sac. Bon, il a porté ce saccage. Je vais donner un verre de lait à Jackson. Ce sera pas long. Ouch! Ses rires sont vraiment longs. Vraiment, j'ai coupé. Je vais les faire couper, en fait. Qui c'est qui t'a fait ça, le truc, là? C'est pas supposé aller là. C'est qui a touché à ça? C'est-tu toi? Ouais, là, c'est ça. Bref, les gars ont dormi moins en fait que je pensais. Fait que j'ai pas... j'ai pas eu le temps vraiment de faire grand-chose, mais en même temps, j'en ai profité pour relaxer aussi, là. Tu sais, je vais les avoir encore avec moi demain. Hey, wow, wow, wow! Ça, je vais les avoir encore avec moi demain, parce que les services de garde sont fermés. Je sais pas si c'est juste les milieux familiales ou les CPE aussi, là, mais en tout cas, moi, ça, sont fermés. Fait que je les ai avec moi demain quand même, fait que je vais avoir tout demain pour faire mes trucs quoi. Encore. Ouais! Mon Dieu Seigneur, ça... Oh, excuse, Laura. Laura, il promène sa table d'éveil partout dans mes mains. OK! Fait que je vais attendre Zach, il arrive dans comme une heure. J'ai pas grand-chose à faire en attendant, à part regarder mes gars. Puis gérer mon oiseau qui a juste le goût de se sauver à Chicoutimi. Ben oui! Puis voilà! Fait que je voulais juste dire que les gars t'ont réveillé dans le fond. Puis est-ce que j'ai fait un petit peu de ménage? Puis là, mes couches sont encore dans ces choses. Puis j'ai hâte qu'ils sèchent, parce que j'aimerais aussi monter avant le soir. Ça me tente pas vraiment de passer à soir. Pour gérer mon téléphone, puis là, je sais plus, je l'ai mieux. Mais ouais, c'est ça. Avec District 31 qui a recommencé une heure par soir. Mais. Oh my god, j'étais en conne. J'ai cherché mon téléphone puis j'ai vlog avec. C'est que je suis perdue. Fait qu'en gros, c'est ça. J'ai plus vraiment. Tu veux t'asseoir? Oui. Assis-toi. Ça, j'ai plus grand temps pour faire ça le soir. Fait que j'aimerais ça faire ça avant que Zach arrive. Là. En tout cas, du moins avant que je fasse le soir. On est le lendemain. Comme vous pouvez voir, il fait vraiment noir. Il est 7h30, ça qu'elle vient de partir pour aller rejoindre la petite fille au bout de la rue pour aller à l'école, pour aller au rang d'autobus. Ben, à l'autobus, voyons. Ouais, à l'arrêt d'autobus. Ouais. C'est ça, là, ce matin. J'ai eu de la misère à me lever. J'étais tellement fatiguée. Hier, on s'est couché à 11h. Au lieu d'être. Moi, je me couche à 10h dans ma vie, tout le temps, très routinière. Puis, on s'est couché à 11h parce qu'on a écouté deux. On a écouté l'épisode de District 31 qui durait une heure. Puis, on a écouté les deux épisodes. On a écouté deux épisodes de Lucifer. Fait que c'est ça, on s'est couché tard. Mais c'est ça. Puis le matin, j'ai eu vraiment dans le lit, j'étais vraiment fatiguée. Par chance, les gars m'ont laissé dormir jusqu'à 7h. Il n'y a pas personne qui a crié avant.
Par contre, c'est quand je suis descendue, ça s'est crié partout. Fait que c'est ça. Ça fait pas vraiment longtemps que je suis réveillée, mais Zach a mangé, il s'est habillé, puis il est parti. Il fait son lunch et tout et tout. Ah oui. Donc hier, il s'est pas passé grand-chose. Hier soir, je suis allée au Dollarama. Ouais. Hier soir, je suis allée au Dollarama acheter des trucs là, pour mettre dans le fond de l'évier, là, pour pas que la nourriture passe dans le trou, dans le fond. Qu'on rince, là, puis tout. Puis c'est ça, parce que là, les miens, là, ils étaient rendus dégueulasses, fait que j'ai été les changer. J'ai acheté une nouvelle brosse à bureau aussi parce que la mienne avait brisé. Puis c'est tout. Puis hier soir, je suis venue, on a soupé. Après ça, j'ai plié mes couches. T'sais, les gars vont pas garder, mais genre, j'ai pas le choix. Puis là, je pense que Laurence, hier, il a pas pris de Tylenol. Fait que je pense que je vais pouvoir commencer les couches lavables aujourd'hui. Je sais pas, ça reste combien de temps dans l'organisme, ça, par exemple. Faudrait que je check, mais c'est sûr. Fait que techniquement, aujourd'hui, je pourrais le mettre en lavable, il y aurait pas de problème. Puis, c'est ça. Fait que ça va être pas mal ça, le vlog. Je vais vlogger aujourd'hui parce que on a encore une journée où j'ai les enfants et que la service de garde est fermée. Mais c'est ça. Fait que ça va être encore une autre petite journée. Je vais vous vlogger ça aujourd'hui. Puis voilà. Fait que là-dessus, moi, je vais vous souhaiter une belle journée. Puis nous, on se revoit bientôt. Bye!